Ça, c'est Burbin, mon copain depuis 2 ans. Il est drôle, mais un petit peu dragueur. Manon et Marie, ce sont mes copines depuis toujours. On a fait les 400 coups ensemble. On ne prend jamais rien au sérieux et on est toujours en train de rigoler. Clément, c'est le petit rigolo de la bande, toujours en train de faire le pitre. Avec lui, on ne s'ennuie jamais. Lui, c'est mon ami d'enfance. Il est plutôt calme et discret comparé aux autres, mais je l'adore. Ce soir, pour mon anniversaire, j'ai réfléchi à un plan de table. On va essayer de créer des affinités. Ah non, je sais qu'il plaît bien à Manon. Maintenant, la soirée peut commencer. On trinque en mon honneur. Tout se passe à merveille. Je suis aux anges. Pendant que je rigole avec Clément, il me fait gentiment remarquer que ma copine est en train de redraguer mon mec. Non mais attends, elle fait quoi là? Et vas-y qu'elle lui enlève les miettes qu'il a au coin de la bouche. Non mais ça va, elle veut pas que je l'aide non plus. Ah, et maintenant c'est Manon qui s'y met. Non mais elle aurait pas pu mettre un col roulé celle-là? Ça commence sérieusement à m'énerver tout ça. Je te caresse la main. Et puis je te fais du pied. Non mais après, ça va être quoi la prochaine étape? Ah bah bien sûr, le clin d'œil, il est indispensable celui-là. Bon, non, 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 c'est pas possible. On va changer de plan. Bon, les filles, pas à côté des mecs. C'est impossible. Et puis, Burban, à côté de moi. Maintenant, la soirée peut commencer. On trinque en mon honneur. Tout se passe à merveille. Je suis aux anges. Bon, maintenant qu'il est à côté de moi, j'ai plus à m'inquiéter. Et puis, on rigole bien tous les deux. Je passe enfin une bonne soirée. Non mais elle fait quoi la Marie? Ça y est, elle va sortir les dossiers maintenant? Tout le monde se fout de moi maintenant? Mais qu'est-ce qu'elle est en train de montrer? Oh non, pas cette photo. Comment je vais expliquer ça à Burban, moi? Et voilà, à cause d'elle, il faut que je me dispute avec lui le soir de mon anniversaire. Et en plus, elle voudrait que je trinque avec elle? Non mais attends. Non, c'est pas possible. Je pense qu'on va abandonner l'idée du plan de table là. Non mais 1 heure de retard, mais qu'est-ce qu'ils font? Faut pas abuser non plus. Ah, enfin un message des gars. Quoi? Désolé bébé, on peut pas venir, mais ils se foutent de moi? Ah, enfin des nouvelles des filles. Quoi? Elle m'annonce qu'elle peut pas venir? 20 ans qu'on se connaît, on se rattrapera plus tard. Ouais, tu parles, ouais. Et voilà, je me retrouve seule le soir de mon anniversaire. Au moins, mon gâteau, il est là, lui. Mais j'en ai même pas envie. Bon, bah maintenant, j'ai plus qu'à aller me morfondre sur mon canapé. Le meilleur anniversaire de toute ma vie. Et encore une bougie de soufflée, et encore une année passée.